Nous voilà en Italie, dans un lieu magnifique. Je ne sais pas si vous entendez les cigales en fond. C'est super joli, on est là pour Beta. Italie, Beta, normal. On va découvrir les nouveaux modèles de X-Trainer et les nouveaux modèles de Beta X-Pro qui vont remplacer ce dont on avait l'habitude d'appeler les Beta standard. Donc la version qui est moins chère, plus abordable que les Racing. Et on va voir ce que ça va donner. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est toutes ces motos qui nous attendent demain pour les essais. Donc il y a toutes les cylindrées, on a du 430. Du 2,5, du 300, du 125. Je la vois, on va l'essayer aussi celle-là. Bon, là c'est le moment du briefing, donc ils vont nous expliquer comment ça va se passer. Bon, écoutez maintenant. La première moto que je vais essayer, ça va être la 200. Parce que je veux voir les différences qu'il y a avec le modèle Racing que j'ai l'habitude d'avoir à la maison. Donc on va tester celle-ci, après on testera les autres modèles, on testera les 400, on testera la 125, on testera la 300. Parce que la 300 du coup l'année dernière sur le modèle Racing ils ont implanté la double bougie. Là maintenant on va voir ce que ça va donner cette année sur la X-Pro, j'ai pas pu l'essayer donc ça va être intéressant. Mais on commence par la 200, avoir un ordre d'idée de ce qu'apportent les différences entre la Racing de l'année dernière et la X-Pro de cette année. Bon nous voilà assis sur cette X-Pro. Donc déjà je me sens beaucoup plus à l'aise parce qu'elle est beaucoup plus basse et c'est vraiment pas une blague, elle est vraiment beaucoup plus basse. Regardez, je pose un pied à terre, sur la mienne je suis toujours sur la pointe des pieds. Donc là je peux poser un pied à terre ou deux pieds sur la pointe, super confortable. Mais tu vas voir, elle est bien. Elle est bien? Ah ouais. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait du 125, on va voir. Oh, j'adore. Oh, elle est trop bien. Allez, nous voilà sur la 390, moto que j'ai jamais essayé, une cylindrée un petit peu intermédiaire. Alors on va voir ce que ça donne. Ça va être hyper intéressant de voir ça. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui on est dans des conditions très spéciales, ça glisse. Vous pouvez sûrement le voir, c'est Holiday on Ice. J'essaie de mettre autant de jambes que je peux, mais c'est pas évident. Par chance, la moto m'aide énormément. Elle est vraiment plaisante cette moto. Elle pardonne énormément. Et au final, elle demande uniquement à ce qu'on passe les rapports. Parce qu'en fait, elle a vraiment sa force en bas, mais c'est une force qui est hyper douce. Et elle est vraiment incroyable cette moto. Ah ouais, tu sens quand même qu'il y en a moins que la 390. Oh, par contre, le grip qu'il y a comparé à la 2 temps, c'est abusé. Ouais. Pour l'instant, deux coups de cœur. La 390, qui je trouve est même plus fun à piloter que la 350. Et aussi la 125. Qui même dans ces conditions glissantes s'est révélé être une arme. J'ai souvent les deux roues en glisse comme là. Et là on commence à se faire plaisir. Alors je vous propose qu'on mette le traction control pour qu'on voit un peu la différence. Ah ouais. Limite on se fait même plus chier à savoir comment on tourne la poignée. Voilà. Oh, sur les petites accélérations comme ça c'est une arme. Regardez, ça prend le grip là où je patinais tout à l'heure. Ah ouais, là par contre sur cet aspect là c'est vraiment bluffant. Quand tu l'as en main cette moto avec le traction control. Ah mais là j'ose même pas imaginer la différence de temps avec même un 2,5 de temps
ou ma 200 bêta. Regardez comment ça grippe, on peut même remonter là sur le dévers. Ouais, la 350, c'est une arme. Mais on a avec nous Yannick Marpinard, qui est en charge de bêta pour la France. Il va nous présenter cette moto. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà qu'est-ce que c'est que cette dénomination X-Pro? On ne connaît pas, c'est nouveau. Comment tu la résumerais et comment tu nous la présenterais? Alors effectivement, Geoffrey, c'est tout nouveau. Cette année, on a développé un nouveau concept de moto d'enduro. Mmh. Donc il a fallu, pour marquer ça, changer le nom de la machine. Donc la X-Pro, en définitive, c'est une moto déjà plus basse. On a une moto qui est 2 cm plus basse au niveau de la hauteur de selle. Ça, c'est important. Il y a beaucoup d'enduristes qui cherchent souvent le sol, notamment ceux qui font du franchissement. Mmh. Et donc, on a travaillé énormément sur les suspensions. On a 2 nouvelles suspensions développées par Beta. Ça, c'est très important. Il y a eu du gros travail sur la fourche, mais aussi sur l'amortisseur. On a un gain de poids sur la fourche de 250 grammes. D'accord. Et en plus, sur cette X-Pro, ce qui est intéressant, Geoffrey, c'est qu'il y a des options, si je puis dire, en plus. Comme tu as pu l'apprécier pendant les essais, il y a les supports de guidon montés sur scie en bloc. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment très appréciable. On a le vase d'expansion au niveau qui est intégré au niveau du cadre dans la poutre qui descend sur l'avant de la moto. Donc ouais. Ça, c'était quelque chose qu'il n'y avait pas avant sur les versions RR. Et le concept général de la moto, c'est d'avoir une moto... c'est une vraie moto d'enduro, ça c'est important de le dire, tu l'as vu ce matin à l'essai, c'est une vraie moto d'enduro performante, mais un petit peu plus compacte, un petit peu plus facile d'accès. Donc c'est une moto qui est plus facile de prise en main, qui est plus agile, plus ludique, qui va pour l'enduriste traditionnel, je ne parle pas du pilote de championnat du monde, il va avoir une sensation de maîtrise de la moto beaucoup plus approfondie. Et ça, c'est vraiment un travail qu'a fait la recherche et le développement chez Beta, parce qu'on se rend compte qu'on fait des motos toujours avec de belles pièces, avec des performances extrêmes, mais qui est capable d'exploiter ces motos ne serait-ce qu'à la moitié de leur capacité. Et aujourd'hui, la X-Pro, c'est une moto très performante, je le répète, mais le fait qu'elle soit plus basse et un petit peu plus agile, c'est une moto qui va permettre de mieux s'adapter à la clientèle enduristique. Et je tiens à le dire, pour montrer pour prouver les capacités et les performances de cette machine, c'est qu'on a aussi intégré sur cette machine le cadre de la version Racing. D'accord. Et ça, c'est important, tu as dû le ressentir ce matin au niveau de la précision de pilotage. Mmh. Moi, j'ai été bluffé quand j'ai comparé l'ancienne à la nouvelle. On a vraiment une sensation de précision avec ce nouveau châssis. Ça, c'est vraiment on passe sur une autre étape, sur un autre concept de machine. Ouais. Tu disais, du coup, ce châssis, il est un petit peu plus large au niveau de cette partie-là, c'est ça? Oui, la poutre principale du cadre, elle est un petit peu plus large. Ouais. Donc, c'était le cas déjà sur la Racing Model Year 2024. Et donc, on était content du résultat, du feeling avec la moto. Et on a décidé de l'intégrer sur la X-Pro. Est-ce qu'il y a des nouveautés qui viennent, à part du coup ce que tu nous as présenté? On n'a pas parlé aussi, on a le bouton du double courbe qui vient ici. Alors, je t'en ai pas parlé, on l'avait déjà. Mais il y a le double courbe qui vient comme sur la version RX, la version Cross de chez Beta. Donc, du coup, avec la double map pluie-soleil sur la mousse de guidon. On a une petite sangle à l'avant pour donner un petit côté enduro extrême, ça c'est sympa, pratique. C'est la mode et c'est pratique, voilà, vous n'avez pas besoin d'acheter ça en supplément, c'est déjà sur la moto. Et puis voilà, on a fait un petit peu le tour de ces évolutions. Mais si je dois résumer, Beta cette année, ils ont pris cette moto d'enduro et ils ont, avec tous les ingrédients, en les mélangeant correctement, à la bonne dose, ça a donné la X-Pro et elle mérite vraiment d'être essayée. Super, moi j'ai déjà fait un tour, je vais y retourner. Et puis je ferai mon petit débrief. Je te remercie énormément en tout cas, c'est super d'avoir quelqu'un comme toi pour intervenir. Et puis il n'y a plus qu'à. Allez, il n'y a plus qu'à. Merci. Merci. Allez, on va réessayer 725. On va dire de l'essayer en mode pluie, qui avait une grosse différence. Donc ça c'est cool. Je vous disais la dernière fois sur la 200, je la sens. Et justement... Oh, je me régale. Eh putain, elle a un couple. Eh. Regardez, c'est franchement pas mal. Alors, on va. Ah, c'est un jouet. Petit photographe.
On m'a dit que 725 a beaucoup évolué, notamment l'année dernière. Et franchement, je vais pas vous faire un sermon, mais franchement, c'est une super bonne moto. Je pense qu'elle aurait même encaissé la seconde avec une petite sirette. Alors, ça va être l'heure de vérité. Est-ce qu'elle va enquiller? Elle enquille la seconde et c'est encore mieux. Alors moi, il faut savoir que je pense que j'aurais tendance à préférer un 300 à un 250. Là, je viens de rouler sur la 125. Il y a un petit temps d'adaptation quand même. Hein. Alors, ils ont touché les suspensions sur celle-là et franchement, ils ont dit que les réglages suspension allaient avoir un vrai impact sur comment on se sent sur la moto. Et pour le coup, je trouve que c'est vraiment le cas. J'ai pas du tout la même sensation sur la roue avant avec celle-là qu'avec... qu'avec la 125 par exemple. Que vaut cette nouvelle gamme X-Pro? C'est la question que je me suis posée en arrivant ici. Et dès les premiers tours de roue, déjà, j'ai senti une vraie différence par rapport à ce qu'on peut retrouver sur la standard qu'on avait l'année dernière, la RR, qu'on connaît tous, et du coup, cette nouvelle gamme, mais aussi entre la Racing et cette nouvelle gamme. Quand on monte sur la moto, on s'en rend tout de suite compte, et c'est très simple, c'est par rapport à la hauteur de selle. Sur ma Racing, j'ai toujours un petit peu sur la pointe du pied, même en ayant réglé comme il faut tout ce qu'il faut, la précharge, etc. Là, en revanche, je me suis senti directement mieux, un peu plus bas forcément, avec le pied à plat directement. Et ça, c'est un vrai, vrai point fort, surtout sur ces modèles-là qui sont axés un peu plus balade ou en tout cas un peu plus extrême. On voit, il y a la sangle, on a toujours la double courbe, etc. Ensuite, les premiers tours de roue. Sensation un petit peu bizarre au début, on était sur la piste pour aller à la spéciale. Et les premiers tours de spéciale, je me suis senti un petit peu flou au niveau de l'avant. Avec un avant que j'avais du mal à sentir, j'ai l'impression que j'allais glisser, je glissais un peu, pas trop, c'était un petit peu, c'était dur à donner du ressenti. Heureusement, voilà, on a essayé d'autres spéciales, et puis surtout, la spéciale sur laquelle on était, qui était très poussiéreuse, c'est un petit peu nettoyé avec notre passage, et là, en fait, on a pu vraiment profiter pour tester ces suspensions. Et moi, j'ai vraiment été surpris, j'avais déjà été surpris des suspensions ZF sur le modèle RR qu'on connaissait avant, mais sur ces X-Pro, ils ont encore travaillé dessus, et je trouve qu'on a gagné, en confort. On a eu des parties un petit peu plus défoncées sur la spéciale enduro, des parties un petit peu plus défoncées aussi sur la spéciale un peu plus cross, et moi je me suis senti vraiment à l'aise. Peut-être que pour un pilote plus lourd, ce sera peut-être un petit peu souple, mais en tout cas moi je trouve que ces suspensions sont dans ce qui se fait au niveau de l'enduro. On n'est ni trop souple ni trop dur qu'on pourrait avoir certains modèles. Là on est vraiment, pour moi en tout cas, comme il faut, et c'est vraiment un plaisir. On a une moto qui est à l'aise partout. Voilà, franchement je la trouve à l'aise partout. C'est un point fort. Là où ma Racing, je voyais qu'en cross ou dans la spéciale, ça allait super bien. Mais quand il faut chercher l'adhérence un peu plus dans le technique, j'avais plus de mal. J'ai fait préparer les suspensions à mon poids et là maintenant, une vraie différence. Mais je sais que sur ce modèle-là, direct, sortie d'usine, je serai à l'aise partout. Et c'est vraiment un point très très fort pour moi. Alors bien évidemment, j'ai testé quasiment tous les modèles de la gamme, du 125 à la 390, 430 et 480. J'ai pas voulu tester, voilà, c'était mon choix. Je sais que c'est pas des motos qui correspondent à mon pilotage ou à mon gabarit ou à mon niveau. Donc je laisserai les autres journalistes vous en parler. Voilà, on était avec Free Enduro, avec Enduro Magazine, avec Moto Verte. Donc je vous laisse aller les voir. C'est des professionnels, ils sauront vous expliquer tout ce qu'il faut sur ces motos là. En revanche, moi j'aimerais vous parler d'un modèle qui m'a particulièrement bluffé, et c'est la 125. Ça faisait très longtemps que j'avais pas essayé une 125 bêta, donc j'en profite pour en parler. Et j'ai trouvé le moteur super rond, super plaisant, surtout dans ces portions où on n'avait pas beaucoup d'adhérence. Mais en fait, c'est avec cette moto que je me suis fait le plus plaisir, où je me suis trouvé le plus efficace, hormis
les 4 temps qui ont le traction control, etc. Parce que là, là c'est pas pareil. Quand tu mets le traction control, pour le coup, si vous voulez avoir un ressenti, le traction control sur les 4 temps chez Beta, ça marche du feu de Dieu. Alors là, c'est rien à voir et c'est vraiment quelque chose. J'ai aussi pu tester du coup la 200 que j'avais testé en modèle standard avant d'avoir la mienne dans le garage, qui est le modèle Racing. Et ça me permet d'avoir une base de comparaison. Pour moi, le modèle X Pro est mieux que le modèle RR qu'on avait, qu'on appelle RR standard. C'est pas comparable vraiment avec un modèle Racing. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant d'avoir ce choix de la part de Beta. D'avoir une moto un peu plus typée soit balade, soit extrême, soit vraiment enduro, qui est celle-ci, la X Pro, voilà. Et la modèle Racing qui va être typée un peu plus attaque, des mecs qui vont peut-être un peu s'entraîner en cross, faire de la spéciale, avoir du rythme, avoir de la vitesse. Et j'en viens à me poser la question au final, et ben pour ma prochaine moto, si c'est une bêta, est-ce que j'ai pas mieux à prendre une X Pro en fait ? Parce qu'elle sera plus basse, donc moi je serai plus à l'aise. Les suspensions, je suis persuadé qu'elles peuvent me convenir. Surtout si on fait travailler un préparateur pour ou qu'on a quelqu'un qui sait les régler. J'ai pas la prétention de savoir régler les suspensions parfaitement, donc moi je le ferai faire. Mais je pense qu'on peut avoir vraiment une arme avec cette base de la gamme X Pro. Les suspensions, vraiment, c'était quelque chose qui m'a vraiment surpris, mais en bien. Au-delà du ressenti qui est important, vous avez vu, il y a plein de nouveautés sur cette moto. Et je voulais faire un point, notamment sur quelques bricoles. On a du coup ces protège-mains qui ont été ajoutés. Je trouve que c'est une addition qui est toujours utile. Ça évite de dépenser entre, on va dire, 25 et 50 euros dans des protège-mains quand on vient d'acheter une moto. Donc c'est toujours bien. Et surtout sur ce petit gadget, comme certains l'appelleront, mais que je trouve hyper intéressant. Ça se passe ici. C'est un Komodo. Alors vous allez me dire, ça ressemble à un coupe-circuit. Et vous n'auriez pas tort. Mais ce n'est pas un coupe-circuit, c'est une clé magnétique. Et la grosse différence que ça fait, c'est que cette clé magnétique, elle est unique à votre moto. C'est-à-dire que chaque moto a une clé, aucune autre clé démarrera, aucune autre moto, et du coup, votre moto sera protégée. Voilà, j'enlève ça, personne ne pourra démarrer ma moto à moins d'avoir ma clé. D'accord ? Et ça, je trouve que c'est une super innovation, surtout sur des motos d'enduro. On s'en sert, oui, bien sûr, pour faire de l'enduro, mais qui dit enduro dit, bah, par exemple, s'arrêter à la station. On peut aussi les transporter sur des remorques, donc c'est cool d'avoir ça au cas où on a un peu peur que quelqu'un coupe les sangles et puis parte en moto avec. Moi en tout cas, ça m'enlèvera cette petite anxiété des fois de me dire mais en fait la personne elle a juste à démarrer et à partir. Alors oui, vous allez me dire on peut enlever l'antiparasite, on peut fermer l'essence, on peut machin, on peut truc. Oui, c'est vrai, mais pour moi ce système il est tout simplement mieux, il est inclus. Donc si je l'ai, je l'utiliserai. Il est possible de l'avoir ou non sur la moto, donc ça c'est en fonction de ce que vous voulez, il faut juste l'indiquer au concessionnaire. Si c'est pas quelque chose que vous voulez, est-ce que je peux comprendre, l'enlever tout simplement. Et ça marche vraiment super bien, on s'en est servi. En plus c'est aimanté, donc hop, ça bouge pas, ça se remet hyper facilement, il n'y a pas besoin de titiller, clac, on l'approche, paf, ça se connecte. Et puis on est bon, on a même une petite lumière ici, rouge ou verte pour indiquer l'état, comme ça on est sûr, bon, on le voit, hein, si elle est connectée ou pas, mais ils y ont pensé, donc ça c'est super. En somme, cette gamme X Pro, pour moi, elle vient compléter l'offre qu'on a déjà chez Beta. Donc on a la X Trainer, qui est plus axée débutant, balade, technique, avec un moteur un peu plus typé trial, qui n'est pas fait pour attaquer. On a un modèle Racing qui est un peu plus rigide, un peu plus fait pour attaquer avec des composants qui sont un peu plus Racing. Et puis on a cet entre-deux, qui est super séduisant, la X Pro, et moi j'ai envie à me demander en fait, bah, cette X Pro, est-ce que ce serait pas la moto qu'il me faut, moi qui suis amateur, moi qui vais pas faire de cross avec une moto d'enduro parce que j'ai la chance d'avoir une moto de cross à côté, et surtout qui vais l'amener en balade, faire un peu de technique, un peu d'extrême. Elle a tout ce qu'il faut, j'ai les protège-mains, j'ai le sabot, j'ai les protections de cadre, j'ai même la sangle maintenant, j'ai mon petit gadget qui néanmoins je pense va s'avérer utile de temps en temps. Et c'est la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous pensez ? Vous pensez que c'est de trop, pas de trop dans la gamme ? Moi, je trouve que c'est complémentaire, c'est un choix de plus, et je pense qu'elle aura son public. Parce que pour moi, 80% des pilotes d'enduro se feront plaisir et adoreront les motos de cette gamme. Et le Racing sera peut-être un peu plus dédié à ceux qui veulent vraiment faire de l'attaque, de la spéciale, un petit peu de cross de temps en temps, ou alors vraiment derrière, préparer un peu les suspensions. Mais on aura toujours cette différence qui va être les 2 cm
qu'ils ont gagné sur la X-Pro au niveau de la selle. Et pour moi, ça, c'est peut-être ce qui va aussi faire la différence. Merci beaucoup à Beta de m'avoir invité sur ces essais presse. C'est super en tant qu'influenceur, créateur de contenu, de pouvoir vous partager mon avis. Je pense que c'est super intéressant d'avoir l'avis des professionnels dans Motoverte, dans Enduromag, etc. Et d'avoir l'avis d'un pimpin, d'un bob, d'un poireau, comme moi. Vraiment amateur qui va peut-être plus représenter le mec typique qui fait de la moto le week-end quand il a le temps. Donc ça c'est super, merci beaucoup Beta, merci beaucoup Yannick Marpinard d'être intervenu et puis merci aux journalistes qui m'ont aussi partagé leur avis dont je me sers pour vous expliquer ce que je pense de cette moto et le ressenti global vraisemblablement de tous les essayeurs. Merci à tous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.